Contre la une. On va s'attaquer à Pump Action. Un contrat qui est pas simple du tout. 5 cibles sur la carte de Paris. Mais la grosse particularité, c'est que les 5, il va falloir les éliminer au fusil à pompe. Et notre défi, ça va être de le faire en assassin silencieux. Donc en préparation, on va se mettre un canard, mais je pense qu'on va pas l'utiliser. Très important, les pièces de monnaie pour faire des diversions. On va se prendre le pistolet, mais ça va pas nous servir normalement. Le costume emblématique de 47. Voilà. Et bien sûr, pour réaliser le défi, le fusil à pompe. Alors bien sûr, on pourra aller en chercher un sur la map, mais on va s'économiser ça, sachant qu'il y a déjà fort à faire pour isoler nos 5 cibles. Voici nos 5 cibles. Par contre, on va pas commencer tout de suite par elle. On va commencer par ces deux civils. Qui pourraient bien avoir des choses qu'ils ne devraient pas voir. Voilà pour elle. Lui, il va avoir droit au même sort. Donc prenez bien son pistolet, on va en avoir besoin. On va tendre un petit piège à notre première cible, celle-ci. Donc il faut absolument commencer par elle. Pourquoi ? Parce qu'avec son collègue, ils vont aller à l'autre bout, de l'autre côté de la fontaine. Et ça nous embêterait bien beaucoup pour la suite. Donc là, hop, on l'embête. Il nous regarde, son copain il part. Et dès qu'il va se retourner, on envoie une petite pièce pour attirer son attention. Thank you, I'm on it. Donc on va en renvoyer une pour qu'il voie bien notre arme. Really? Okay, I'll look into it. Impec. What the hell? Ça y est, il a vu l'arme. Well, that's just... Impec. Donc ensuite, j'ai peut-être pas fait attention, mais il y a un civil qui discutait avec les deux gardes. Là, il a été se cacher pour fumer entre deux camions. On va également s'occuper de lui. Le principe, de toute manière, comme on a 5 meurtres au fusil de chasse à faire, c'est qu'il y a un minimum de monde dans la zone. Ensuite, les deux gardes, là, faut absolument les neutraliser parce que notre cible qu'on vient de mettre au sol, on pourra pas l'évacuer tant que sont là. Hop. On est bien caché par le petit berlingot. Zoup. On recommence. Et là, il y a moins de risques. Personne pour regarder autour. On va s'occuper de celui derrière le camion.
Là, en blanc. Hey, it's me. I just heard something suspicious. Et il a eu l'arme. Donc vous approchez pas trop, sinon il va vous dire que vous avez rien à faire dans le coin. Original comme position. Voilà. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'évacuer tout de suite votre première cible. Parce que sinon, vous allez l'oublier et vous allez vous faire repérer quand vous allez vouloir neutraliser le garde derrière la fontaine. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais où est-ce qu'il l'emmène? Bah, en fait, je l'emmène là où je vais le tuer, avec ses 5 collaborateurs. Parce que si vous voulez faire assassin silencieux en utilisant le fusil de chasse, et bah, vaut mieux être près de la sortie. Voilà, notre premier. Ensuite, lui. Caché par là. La demoiselle. Hop. Donc maintenant, on va s'attaquer à notre deuxième cible. Celle qu'on a rencontrée au tout début. Donc on va user du même stratagème, de l'arme à feu. Sir, I would strongly advise that you stop that now. Il se doute de quelque chose, là. C'est chiant, hein, quand ça fait ça. Hey. Sir, you may find this amusing. Bon, c'est pas grave. Je voulais pas spécialement le neutraliser ici, mais ce qui compte, c'est de le neutraliser et de pas se faire voir. Il y a toujours une partie d'impromptu ou d'aléatoire, donc il faut savoir s'adapter. Voilà, pour le deuxième, on va aller récupérer nos pièces et notre arme. Ça peut nous servir. Donc là, nouveau piège. Donc il faut savoir à chaque fois qu'il y a une cible et un garde à côté et une personne à côté, c'est toujours la personne à côté qui va d'abord aller vers votre distraction. Donc toujours prendre son mal en patience.
Hop. T'auras pas cette occasion. Voilà pour notre troisième cible. Et là, à ce moment-là, on a quasiment fait le plus dur. Quasiment, parce que tant qu'on n'a pas terminé, c'est pas fini. Voilà notre troisième cible. Voilà pour la quatrième cible. Pas encore victime. Donc là par contre il faut continuer notre travail de neutralisation et de nettoyage. Je vérifie que l'autre, on risque pas de le voir, c'est bon. Donc voilà notre cinquième et dernière cible. Voilà, neutralisé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chercher le fusil de chasse qu'on a caché au tout début. Alors après, vous avez un autre moyen d'avoir le fusil de chasse, c'est dans la pièce en face, moyennant de neutraliser tous ceux qui s'y trouvent. Et vous n'êtes pas obligé de l'avoir débloqué plutôt dans le jeu. Voilà, l'arme du crime. Il
maintenant il ne nous reste plus qu'à ramener ces deux là dans la zone d'exécution et on aura réussi. Voilà notre quatrième cible, on va chercher la cinquième. Donc voici arrivé le moment de vérité. Nos 5 cibles. Voilà. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et la sortie. Assassin silencieux.